Bonjour les chéris, je vais vous montrer quand même à peu près ce qu'on a fait en Espagne. On n'a pas fait beaucoup de route, mais je vais vous montrer grosso modo ce que l'on a fait. Voilà, nous sommes arrivés par cette route. Nous sommes allés à Isla Cristina. Ensuite, on a fait hop comme ça à Punta Umbría. Donc pas grand-chose, hein. On est repassé par là du côté de Séville. On a fait la Dos Hermanas pour la nuit, une étape. Et là, nous sommes descendus à Rota. Et ensuite, à venir, nous allons piquer à Ronda. Ce Christ a envie d'aller voir Ronda. Et d'ailleurs, ici, Rota, c'est notre dernière étape au bord de l'Atlantique. On n'y reviendra pas avant, sûrement l'année prochaine. Parce que là, on va piquer un peu sur les terres. Et là, beaucoup plus sur les terres, puisqu'on va démarrer le nord en passant par Cordoba et après on va continuer vers le nord. Voilà, et pour l'instant là je vais rejoindre Crissa, on va vous montrer quand même où nous sommes au bord de l'eau, notre dernière étape au bord de l'eau. Bon, Crissa a décidé de filmer aussi, je sais pas ce qu'elle fait, elle est dans son délire là aujourd'hui, d'habitude elle qui filme pratiquement pas. Mais je suis les instructions d'Ambre, elle m'a dit de faire des vidéos, alors je fais des vidéos. Comme si elle m'écoutait. Ah Et oui? puis au moins c'est bien, vous voyez le micro avec mon kiki. Le kiki. Le kiki, ça, ouais, le kiki. Allez, vamos. Regardez, on va faire le tour des jardins ici sur le toit, là, qui fait du nettoyage. Ah, moi j'aime beaucoup parce qu'on est au cœur des... voilà, je dis Andrés et son épouse, voilà. On est au cœur des Espagnols. Donc, un feliz aquí. Que des Espagnols. C'est super. On est bien là. Bon, allez, on va quand même vous montrer le bord de l'eau. Donc, c'est comme je leur disais, c'est notre dernière étape en Atlantique. Après, on va monter sur les terres pour traverser toute l'Espagne. Ah ouais. Ah ouais, mais là ça va changer. Mais on ira au bord de l'eau quand même parce que je nous connais. Les lacs, les rivières, c'est quand même quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Alors, Ambre, elle est super contente parce que sa porte ferme bien. Mais maintenant, elle a toujours le même problème. La télécommande ne marche pas. Est-ce que tu as déjà essayé de changer la pile dans ta télécommande? Oui, j'ai déjà changé. Je m'en doute bien. En fait, c'est une question purement rhétorique. Voilà, exactement. Non, non, j'ai déjà changé la pile. Et puis, ça veut toujours pas fonctionner. Ça fonctionne une fois sur 10. Bon, d'accord. Maintenant, mais ma porte ferme, donc c'est le principal. C'est la plus heureuse du terre. Oui. Bon, on va où? On va vous montrer un peu le chemin pour aller à la plage. Et on va aller à la plage. Excuse-moi, tu fais quoi? Je filme. Pour qui? Mais pour nous. Parce que moi j'ai la caméra. Oui, non, mais tu m'as demandé de faire des vidéos, alors je fais des vidéos. Allez. On se filme mutuellement, c'est pas un souci, ça sera pas la première fois. Bon, Christa a décidé de filmer aussi. Bah oui. Et je suis dans son délire là aujourd'hui. Je suis. Elle qui filme pratiquement pas. Mais voilà. Je suis les instructions d'Ambre. Elle m'a dit de faire des vidéos. Alors je fais des vidéos. Comme si elle m'écoutait. Bah oui. Et puis, moi c'est bien. Vous voyez le micro avec le kiki. Ah, ça c'est le kiki, ça. Voilà, ça c'est le kiki. Allez, vamos. Bah, regardez, on va faire le tour déjà. Où est un monsieur sur le toit là qui fait du nettoyage? Ah, moi j'aime beaucoup parce qu'on est au cœur des Andrés et son Hola. Espagnols, donc un feliz aquí. Que des Espagnols. Du monde là. Il y a du monde là. On est bien là. Bon, allez, on va quand même vous montrer le bord de l'eau. Donc c'est comme je leur disais, c'est notre dernière étape en Atlantique. Après on va monter sur les terres. Traverser toute l'Espagne. On va en profiter. Ah ouais. Ah ouais. Là, ça va changer. Mais on ira au bord de l'eau quand même parce que je nous connais. Les lacs, les rivières, c'est quand même quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Regardez ce. Comment on appelle ça? Une pinède? Oui. Voilà. J'ai trouvé le mot correct. Une pinède. C'est très beau. Bien évidemment, Domino, il faut qu'il fasse ses marques.
Et alors, on a le choix à gauche ou à droite. Derecha. Non, derecha. Et par contre, il y a une chose que vous ne voyez pas et vous ne... Vous n'avez pas, vous avez les images, vous avez le son, mais vous n'avez pas l'odeur. C'est bien, je te laisse filmer, ça fait du bien. Vous n'avez pas l'odeur, parce qu'ici, ça sent super bon. Ça, c'est, super c'est super agréable. Dès qu'on rentre ici, là, on a une bouffée d'odeur de pain qui vient. C'est magnifique. Alors, vous voyez le chemin, là, là. Tout est en bois, c'est super bien aménagé et c'est comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la plage. Allez, on va le suivre, venez avec moi. Oui. En parlant d'odeur, sur les routes au Portugal et en Espagne, quand on roule la fenêtre ouverte, souvent il y a des odeurs d'oranger, de citronnier, oui, absolument. De mimosa, c'est plein d'effluves comme ça et j'adore ça, c'est vraiment super. C'est super agréable, c'est super. Ça fait du bien justement les odeurs, ça fait super plaisir ça. Tout à l'heure j'ai discuté, j'ai papoté un peu avec des gens sur un groupe Facebook. Et j'ai dit, mais une fois de plus, oui, effectivement, l'habitat ne fait que 13 mètres carrés, mais notre jardin, c'est l'Europe. Bien sûr. C'est l'Europe, on ouvre la porte, on découvre chaque fois un nouvel endroit. C'est génial. On a des terrasses différentes, des fois c'est en goutteron, des fois c'est en terre. Voilà. Des fois c'est de la roche. Ça dépend. Des fois c'est moche. Je me souviens, en Italie, à Bolzano, c'était très moche. Le parking était très moche. Mais c'était pratique. Pratique. Super pratique pour toi et les visiter. Voilà. Et en plus, on était au soleil, donc les batteries, les panneaux solaires chargeaient bien. surtout à cette époque-là, on avait eu très chaud. Il faisait 35-40 degrés, il faisait hyper chaud. Ouais. Super. Ici, ça doit être super agréable en plein été. Sous les arbres, là, ça doit être chouette. Allez. On va faire la sieste, là. Assez parlé, on continue. Voilà, on continue notre chemin. Est-ce que vous entendez déjà la mer? Les vagues, le bruit des vagues. Ça, c'est la vague ambre, ça. Regardez comme c'est beau, là. On passe vraiment à travers les arbres. C'est très beau. Et le chemin continue. C'est un peu mystérieux, là. On va où, là? C'est assez long, en plus. Hein, c'est assez long, oui. Ah, ben oui, mais j'étais surprise. L'autre jour aussi. Mais regarde, Ambre, il y a des bancs partout pour se reposer. Non, ça va aller quand même. Ah, on ne sait jamais. Hein. Non, c'est vraiment... Mais c'est-à-dire, on entend l'océan depuis... Depuis le parking, les mobilos, mais là, d'accord. Ouais, depuis le parking, ouais. Et c'est bizarre, je m'attendais à ce que ce soit tout près. Ouais. Ah non, ouais. Là, on va monter. En plus, ça monte vachement parce qu'il faut traverser la dune. Regardez-moi comme c'est beau. C'est génial, j'adore. C'est vraiment très beau. Allez, vous voyez là, là. L'autre côté, ça c'est le haut de la dune. L'autre côté, il y a la plage. Donc, allez, dernier effort. Ouf, ouf, allez, on s'encourage. Allez, go, 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 go. Eh oui. Un panneau avec des explications. Je comprends rien, en tout cas pas grand chose, et je ne peux pas vous traduire ça, je ne saurais pas. Voilà. Et là,
en fait, regardez, l'un côté vous avez l'océan, de l'eau, et ici vous avez des vagues, de la pinède, c'est très beau aussi. Par contre, la seule chose qui est un peu moins jolie, ce sont des gros nuages gris là. Allez, rentrez chez vous, on veut pas de vous. On cache le soleil. C'est magnifique. En fait, c'est notre dernière étape au bord de l'Atlantique avant de repartir vers l'intérieur des terres. Je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao.